Je m'appelle David Pilato, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis développeur chez Elasticsearch depuis un an et demi, aussi évangéliste. Et on va essayer de mener ce workshop, donc on a 2 heures. Normalement, il faut au moins 2 heures et demie pour le faire. Donc je vais compter sur vous pour essayer d'aller rapidement, surtout dans la première phase qui est la phase d'installation. Donc il faut absolument que vous ayez recopié le répertoire qui s'appelle Workshop sur vos. Qui viennent des clés USB que j'ai fait passer là. Vous les faites passer entre vous, pour ceux qui n'ont pas encore copié, de façon à vraiment recopier ce répertoire et que ce soit prêt. Il faut tous que vous ayez une JVM. Si jamais vous n'avez pas de JVM, ça va être compliqué, il faut vous la télécharger maintenant. Donc, l'agenda. Pardon. Un petit mot sur la société. La société a été créée en 2012 par les auteurs du projet Elasticsearch. Comme on est un projet open source, on se rémunère, notre business model est basé sur la vente de formations en public, alors souvent c'est à Paris, ou sur site. On offre du support de développement, donc ça veut dire qu'on va, en mode remote, aider les équipes à mettre en place Elasticsearch, à designer leur architecture, leur modèle, etc. Et puis après, on vend du support de production une fois que vous êtes en produit. On ne rentre pas dans l'entreprise, on ne vient pas installer Elasticsearch dans l'entreprise. Pour ça, c'est les sociétés partenaires qui font ça. Il y a certains partenaires dans la salle. Donc, ils peuvent vous aider à mettre en place le projet avec une présence physique dans vos équipes. Donc, ça, il reste une chaise, peut-être pour le moment. Pour les genoux, c'est parfait. Et on a aussi maintenant, on commercialise un produit qui s'appelle Marvel. Qui est un produit qui permet de faire de la supervision, management et monitoring d'Elasticsearch. C'est inclus dans le support, sinon ça s'achète en dehors du support si vous le souhaitez. C'est gratuit pour les développeurs Marvel. Donc, vous allez voir, une des raisons pour lesquelles je vais vous inviter à l'installer en tant que développeur, c'est qu'il y a un plugin qui s'appelle Sense à l'intérieur, qui permet de faire du développement et de l'autocomplétion sur les API Elasticsearch. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, un petit aperçu d'Elasticsearch pour ceux qui ne connaissent pas. Donc qui ne connaît pas Elasticsearch du tout ici. Ok, très bien. Ensuite, on va faire le premier workshop, j'ai appelé zéro, parce que c'est juste pour qu'on installe et qu'on soit tous au même niveau et qu'on soit prêt à vraiment démarrer. Donc cette partie-là, généralement, c'est la partie qui est longue. Longue et un peu fastidieuse. Donc voilà, plus on ira vite sur cette partie-là, mieux ce sera pour qu'on puisse couvrir le reste. On va commencer par indexer les documents, ensuite on va les chercher, ensuite on va faire ce qu'on appelle des agrégations et donc faire du calcul sur les données d'Elasticsearch. Et ensuite, on jouera avec un peu le Kibana. Donc là, suivant le temps qu'on aura, bah, soit je vous ferai simplement une démo de ce qu'on peut faire, ou soit vous aurez le temps de jouer vous-même. J'allais dire s'il reste du temps, mais j'y crois pas du tout. Il y a une partie qui s'appelle Snapshot et Restore, qui fait partie du workshop, mais bon, je pense pas qu'on ait le temps de la faire. Donc quelques éléments clés. Qu'est-ce qu'un moteur de recherche? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un moteur de recherche, mis à part en tant qu'utilisateur Google, mais d'un point de vue technique? Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un moteur de recherche? Tout le monde sait, voilà. Je suis impressionné. Moi-même, je ne savais pas avant de découvrir Elasticsearch. Un moteur de recherche, donc je le redis pour ceux qui ont été trop timides pour ne pas le dire, ça permet de créer des index à partir de ce qu'on appelle des documents, documents au sens large, ça peut être des documents structurés ou des informations non structurées. En gros, nous on va parler documents JSON. Une fois qu'on a créé des index, on va chercher uniquement dans ces index. C'est un truc qui est super important à avoir en tête. On ne va plus jamais chercher dans la donnée source. On n'est pas dans le monde SQL. C'est pas parce qu'on a une donnée source qui est représentée de telle façon qu'on est capable de la chercher directement. Attention, la façon dont on crée nos index a beaucoup d'importance. On va le voir tout à l'heure avec un exemple concret. Donc Elasticsearch est un moteur de recherche fait pour être nativement distribué. C'est sa fonction de base, c'est que c'est un système distribué. Et ensuite, l'implémentation, c'est le moteur de recherche. Donc c'est fait pour scaler. C'est basé sur la bibliothèque Apache Lucene, qui est vraiment la bibliothèque d'information retrieval la plus performante qu'on puisse trouver dans le monde open source. Et même si on compare avec le monde closed source, c'est sans doute une des bibliothèques les plus performantes. Elle a un inconvénient, c'est qu'elle est développée en Java. Vous faites du Java, c'est ça? Non, je bâche pas Java, Elasticsearch est fait en Java. On adore Java. Le problème du fait que ce soit fait en Java, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser à partir d'autres technologies. Enfin, c'est plus compliqué.
Donc si vous voulez faire du PHP, du .NET, du Perl, du Python, que sais-je encore, ça va être compliqué à utiliser. Donc ce que va faire Elasticsearch, c'est qu'il va exposer avec une couche HTTP, REST, JSON, l'ensemble des services offerts par Lucene, masquer la complexité de Lucene. Si vous avez déjà fait du Lucene pur, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Et donc on va exposer voilà, des services et des API assez sympas pour jouer avec Lucene finalement, et d'autres API. Donc vous pouvez l'attaquer à partir de n'importe quelle techno. Un des autres inconvénients de Lucene, c'est qu'il est capable de tirer complètement parti les capacités physiques d'une machine. Donc vous rajoutez de la mémoire, du processeur, du disque, ils vont en tirer parti, mais à un moment, vous allez atteindre les limites de Lucene ou les limites de la machine. Ce que va proposer Elasticsearch, c'est de faire de la distribution horizontale de vos index sur différentes machines, donc de scaler de façon horizontale. En rajoutant de la réplication, du failover, du load balancing, tout ça qui est complètement intégré à l'intérieur. Alors ceux qui n'ont jamais fait d'Elasticsearch vont peut-être avoir la même surprise que moi, c'est que c'est vraiment très rapide pour chercher. C'est son métier de chercher après tout. C'est normal qu'il soit rapide. Ouais, mon premier contact avec Elasticsearch, je cherchais dans 1 million de documents, j'avais un temps de réponse de 7-8 millisecondes et je me suis dit, il a dû oublier de compter des choses, c'est pas possible, il n'a pas bien cherché. Et en fait, non, ça marche vraiment, c'est fait pour ça. Elasticsearch, c'est vraiment, vous voyez ça comme un moteur technique, c'est une brique technique, c'est à vous de l'embarquer dans votre système d'information, il n'y a pas d'interface, c'est pas un outil packagé qui va crawler votre base de données ou que sais-je encore, c'est à vous de pousser de l'information à l'intérieur. Donc vraiment, il y a du développement à faire, et il y a de l'intégration à faire pour mettre en place Elasticsearch. Là, il y a des moyens qui permettent de simplifier un peu ça. La chose la plus difficile que j'ai eu à faire, moi, quand je suis passé dans le monde NoSQL et orienté document, donc en particulier avec Elasticsearch, mais c'est valable avec d'autres systèmes. Si, je crois que tu dois, là, une session à propos de MongoDB. Je pense qu'il vous parlera aussi du même problème, c'est oublier le SQL, oublier le monde relationnel. C'est vraiment la chose la plus difficile à faire quand on aborde ce monde de document. On a envie de reporter ce qu'on avait déjà appris dans ce monde NoSQL et toujours faire des relations entre les documents. En soi, c'est pas la bonne façon de procéder de prime abord. L'idée, en fait, c'est d'indexer ce que vous avez envie de chercher. Ça paraît idiot, c'est vraiment indexer ce que vous avez envie de chercher et la façon dont vous avez envie de chercher. Je vais montrer un exemple tout à l'heure pour que ce soit plus bien. Alors on parle de document. Un document, qu'est-ce que c'est chez nous? C'est un objet JSON. Okay, donc il a certaines propriétés qui peuvent être des chaînes, des nombres, des valeurs booléennes, des propriétés un peu plus complexes, des tableaux de chaînes, de ce qu'on veut, de nombres, voire des tableaux d'objets ou des objets eux-mêmes, donc des objets imbriqués à l'intérieur d'un objet principal. On gère aussi des champs un peu spéciaux, donc des coordonnées géographiques et des formes géographiques, ce qui va nous permettre de faire des requêtes géographiques ou des requêtes sur des formes. Alors quand vous envoyez des documents dans Elasticsearch, en fait vous envoyez des documents dans ce qu'on appelle un index. Donc un index va plutôt porter la notion de configuration technique. Vos documents sont typés. Et le typage d'un document, la notion de type fait porter la notion de mapping. J'en parlais juste. Vos documents ont obligatoirement un ID qui est soit auto-généré par Elasticsearch ou que vous pouvez apporter à Elasticsearch. Donc là, j'ai mis un document exemple, c'est un document JSON. Donc j'ai un champ nom, j'ai un champ website, j'ai un champ catégorie, une valeur numérique ici. Là, j'ai plutôt du texte non structuré ici. Je vois que j'ai un tableau de chaîne de caractères. Ça se fait comme ça. Hein. Puis j'ai un champ location, donc qui est en fait un autre sous-objet. Dans ce genre sous-objet, j'ai la ville, le country code, et puis les coordonnées géographiques, latitude, longitude de la personne. Okay. Si je faisais du relationnel, mon DBA il me tuerait. Hein. Il me dirait, eh oh, t'as dupliqué la donnée, c'est interdit en mode DBA, tu fais une relation sur un autre truc qui s'appelle le country par exemple, et tu fais une jointure là-dessus. Pourquoi en fait, je présente un document de cette façon-là? C'est parce que j'ai envie de chercher ici une société, j'ai donc indexé des sociétés apparemment, j'ai envie de chercher une société par la ville dans laquelle est la société. J'indexe ce que je cherche. Je veux chercher par la société, par la ville, pardon. Donc j'indexe ce que je cherche.
important d'avoir ça. Faire tourner Elasticsearch, en fait, on fait tourner ce qu'on appelle des nœuds Elasticsearch, des nodes. En réalité, comme Elasticsearch est un process qui tourne dans la JVM, donc c'est à chaque fois une instance, c'est un process de JVM qui tourne. Un cluster, ça va être un ensemble de nœuds, on va voir ça. La partie importante, vos index en fait vont être découpés en ce qu'on appelle des partitions, des shards. Chaque shard, c'est une instance de Lucene. Et c'est comme ça qu'on fait de la scalabilité horizontale de Lucene, c'est qu'en fait on découpe votre index en plusieurs sous-parties, et chaque sous-partie, on peut la mettre sur un nœud ou sur un autre. Il y a des shards qu'on appelle les shards primaires, ils sont uniques dans le cluster, et puis on peut avoir des réplicas de chaque shard en une ou plusieurs copies, ou pas une copie du tout, ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Par défaut, si vous ne faites rien, Elasticsearch va, quand vous allez créer votre premier index, il va vous créer un index avec 5 shards, un réplica pour chaque shard. Il va vous découper votre index en 5. Ok. Ça va ? Ouais. C'est 10h30, personne n'est réveillé. Ça va brûler. Donc on va faire le setup. Donc généralement, qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, on ne va pas faire ça, parce que j'ai passé des clés USB, c'est pour éviter le download tous sur le même Wi-Fi. Ça fait, je ne sais plus, 19. Je ne sais pas combien fait la distribution, 19 mégas. Donc l'idée, en fait, comment on récupère Elasticsearch ? Ben, on récupère Elasticsearch en faisant un wget ou de la curl, peu importe, avec la bonne version. Et puis éventuellement, on peut installer des plugins. Ce qu'on va faire aujourd'hui, vous êtes tous en Wi-Fi, normalement, enfin peut-être, et en fait, on va modifier la configuration par défaut d'Elasticsearch. On va aller modifier dans le fichier qui s'appelle config.elasticsearch.yml, on va modifier ces valeurs-là. Pourquoi on va faire ça ? Parce que par défaut, Elasticsearch, ce qu'il essaye de faire quand il démarre, c'est qu'il essaye de trouver des copains pour jouer. Et donc, comme vous êtes tous connectés peut-être au même Wi-Fi, ben, en fait, tous vous allez vous auto-déclarer les uns les autres, vous allez tous vous découvrir. Quand il y en a un qui va commencer à créer une donnée, paf, elle va être propagée chez l'autre. Et quand il y en a un qui va effacer toutes les données, il va effacer les données de tout le monde. Okay. Donc ce qu'on veut faire ici, si on va dans le fichier config/elasticsearch.yml, ce que vous pouvez faire en attendant, c'est d'hésiter le libram d'Elasticsearch et commencer à modifier ce truc-là. Je vais commencer par setter un cluster name, c'est parce que j'en aurai besoin tout à l'heure, c'est pour donner un petit nom de cluster à mon graph de nœuds. Vous pouvez lui donner votre propre nom si vous voulez, mais là je vous conseille de plutôt laisser workshop. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que vous pouvez être sur le même réseau et si chacun choisit un cluster name différent, les nœuds ne vont pas se rejoindre. Okay. Ils vont dire ok, bah, j'ai vu une requête arriver de quelqu'un d'autre, mais comme il n'appartient pas à la même graph, je l'ignore. Surtout, c'est ces deux lignes-là qui sont importantes chez nous. Hein. C'est qu'on va faire un disable de ce qu'on appelle le multicast. Par défaut, il est enable, ce truc-là. Et vous le verrez, il est dans le fichier elasticsearch.yml, il est en commentaire, il y a juste à décommenter la ligne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va éviter, justement, quand Elasticsearch démarre, cette opération de broadcast pour voir s'il y a d'autres nœuds qui sont sur le réseau. Mais comme on va lancer plusieurs nœuds tout à l'heure sur la machine, on va aussi lui dire je te donne la liste des autres nœuds qui peuvent éventuellement participer au cluster. Donc quand vous désactivez le multicast, qui est une bonne chose en prod d'ailleurs, si vous le faites, bah ici vous pouvez donner la liste de tous les autres nœuds ou d'une partie des autres nœuds qui vont participer au cluster. Donc c'est, vous pouvez mettre des virgules, des adresses. Donc en faisant ça, quand on va démarrer d'autres nœuds, il va dire est-ce que j'en ai d'autres qui tournent sur 127.0.0.1 et il va trouver oui, et ils vont faire un cluster, mais que local. Faites pas la dernière commande, l'install Marvel, là on, il est sur votre, la clé USB, donc on va le faire autrement. Est-ce que tout le monde a fait ça ? Et quelqu'un n'a pas fait ça ? Donc il faut que je vous fasse les questions. Ouais. Que je passe pas le slide, donc c'est pas fini. Est-ce qu'il y a des questions en attendant là-dessus déjà sur cette partie ? Je vais rajouter une précision pendant que les personnes continuent à éditer leurs fichiers. Quand on est dans un environnement cloud, typiquement le broadcast c'est interdit. On ne peut pas faire de ça. Donc, comment on fait dans ce cas-là si on veut déployer sur Azure, Google Computer Engine ou Amazon ? Ben, en fait, on a des plugins dans Elasticsearch
qui permettent d'utiliser les API REST ou diverses des différents providers de cloud. Et en fait, en lançant le plugin, on va donner les propriétés, par exemple Azure ou Amazon, les keys exacts qui vont bien pour accéder aux API. Et automatiquement, quand Elasticsearch va démarrer, il va faire un appel REST à l'API Amazon, récupérer la liste des nœuds potentiels Elasticsearch qui peuvent exister, et automatiquement former une grappe en cloud. Donc, c'est pas vraiment un problème. Avec ces plugins-là, vous pouvez le faire. Tu conseilles de laisser workshop sur le nom ou de mettre un nom Oui, laisser workshop, ce sera plus facile pour après. D'accord. Et ça ne va pas poser de soucis Non, parce que vous avez limité la découverte à 127.0.0. Est-ce que quelqu'un n'est pas prêt là-dessus ou a une difficulté? On n'est pas prêt. Donc pas de difficulté. Okay. L'idée ensuite, c'est d'installer Marvel. Donc plutôt que de downloader tout ça, vous avez une clé USB. Une façon d'installer Marvel, le plugin, parce qu'il est local, plutôt que de le télécharger sur Internet, en fait, on peut faire une commande comme ça. Donc, dans votre répertoire Elasticsearch 1.0.0, je crois, vous avez un répertoire /plugin-install-marvel-url, file de point, et l'endroit, le lien vers le zip. Si vous faites ça, normalement, il devrait vous dire j'arrive à trouver le fichier. Alors j'ai mis ce lien-là, je ne sais pas si c'est exactement celui-là. Enfin, aller vers le bon chemin, un peu de fichier. Quelqu'un est bloqué ? Underscore plugin.
slash Marvel Comics. Non, sans S. Thank you.
C'est la meilleure du monde. Quelqu'un d'autre a développé ? Pourquoi c'est que les utilisateurs Windows qui sont bloqués, je voudrais savoir. Donc on va le faire à la main. Quelqu'un d'autre, c'est bon ? Donc vous pouvez commencer par démarrer un Elasticsearch. Démarrer un Elasticsearch, c'est juste comment lancer la commande bin slash Elasticsearch. Et puis après, vous pouvez ouvrir dans votre browser cette URL-là, qui va être l'URL de Marvel. Je vais faire disparaître l'écran comme un petit moment. Je vais réouvrir après. David, on sait déjà si vous avez une version Java et un peu. Parce que je suis pas sûr que Java. Oui, il a déjà fait du Java. Oui, ouais. J'ai une configuration qui est un tout petit peu différente de la vôtre, c'est que moi j'ai un cluster Marvel qui tourne à côté et j'ai un. Après le nœud Elasticsearch que je lance, c'est un autre nœud. C'est un tout petit peu différent de la vôtre. Donc, le port que je vais utiliser pour regarder Marvel n'est pas le même. Donc si vous lancez Elasticsearch, normalement vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Vous devez surtout voir ici l'audit Marvel, Sites Marvel, Kibana. Pas Kibana, Marvel. Kibana c'est pour vous dire. Ce que vous devez voir, c'est ensuite deux choses. Ici, il a commencé par trouver un premier port disponible de communication à partir de 93.0.0. À quoi sert ce port-là ? C'est pour la sérialisation entre les nœuds et Elasticsearch eux-mêmes, les nœuds du cluster. Ou alors, si vous utilisez le client Java va aussi utiliser ce port de communication. Il continue, il va vous trouver un petit nom, d'ailleurs, en fait, un petit nom, chacun un sien, je pense. Il va dire que, comme c'est le premier nœud qui démarre, c'est le maître du cluster. Il a auto-élu lui-même en tant que maître. Et ensuite, il va vous dire, j'ai ouvert une autre adresse qui est à l'adresse 92.0.0. Ça, c'est la couche REST. C'est là-dessus que vous allez taper si vous faites du REST. C'est clair, quasiment tous les clients sur ce vide déjà. Moi, j'ai une option que vous ne devez pas avoir, qui est ici, j'ai trouvé deux index. Je vais m'empresser d'effacer. Donc vous pouvez normalement ouvrir. Marvel. Alors moi je le fais tourner. Mon Marvel tourne à l'adresse 92.99 et vous c'est 92.00.
Sinon, l'URL, c'est bien _plugin/Marvel. Le reste n'est pas à saisir. Vous n'avez pas exactement ce que je vois là, mais je vais vous montrer ce que vous devez voir. Vous devez voir quelque chose qui ressemble à ça. Comme c'est sur fond noir, vous voyez pas super bien. Je ne sais pas si on a moyen de le mettre sur fond noir. Ça doit à peu près ressembler à ça, votre configuration. Mis à part ce truc que vous ne devez pas voir. Est-ce que quelqu'un n'a pas ça? Ok. Ah! Donc là, on a un exemple typique de quelqu'un qui a rejoint quelqu'un d'autre. Alors. Ah non, non, c'est pas mal, on sait tout. Ah, tu l'as lancé en tâche de fou! Non, j'ai lancé en tâche de fou. Tout à l'heure, j'avais arrêté. Ah, il y a deux qui tournent. Il a trouvé un autre. J'ai une autre version. Bon, tu peux tout faire sur le bord 92.1 si tu peux. Oui, c'est... Mais sinon, arrête l'autre, ça sera mieux de travailler. Je vais chercher l'autre. Au fond, il y a quelqu'un. J'ai une mémoire pour poisson rouge à l'huile. Non, c'est que j'ai vu, c'est que j'ai vu. Il y a certains moments où il y a des choses.
c'est quoi ouais. Donc ce que vous voyez dans Marvel, en fait, c'est un état actuel de votre cluster, normalement. Le nombre de documents, le nombre de requêtes que vous avez vu passer, le nombre d'indexations. Donc, ce que fait le plugin Marvel, c'est qu'il collecte des métriques avec les API publiques d'Elasticsearch. Hein, donc vous pouvez refaire Marvel vous-même si vous voulez. Toutes les 10 secondes, quelque chose comme ça, il collecte ces métriques, il les indexe dans un index Elasticsearch. Et on a plugé au-dessus un Kibana qui va en fait explorer les données de Marvel. Ce que vous voyez normalement, c'est votre pneu qui est ici. Et vous voyez un certain nombre d'informations, voilà, la charge. Apparemment, j'ai plus beaucoup d'espace disque. Et normalement, vous ne devez pas voir d'index ou si peut-être les index.marvel, quelque chose, éventuellement. Peut-être pas. C'est parce que le nombre de documents augmente ? Oui, alors il va augmenter parce qu'en fait, tu es en train de collecter des métriques toutes les 10 secondes et que tu indexes dans un index Marvel. Et donc, évidemment, ton nombre de documents augmente tout le temps. D'accord. Ce qui était un problème avec la toute première version de Marvel, c'est qu'au bout de quelques jours, on explosait. on a changé ça. Marvel est payant, mais gratuit pour les développeurs. Donc en mode développement, tu l'utilises comme tu veux. C'est à partir de $500 par an pour un cluster de 5 minutes. Le prix de remplacement. Ok. Donc si vous avez tout ça, on va pouvoir maintenant commencer à vraiment travailler. Je vous avais dit que la première partie était un peu fastidieuse. Et on va commencer par indexer des personnes. Alors comment ça se passe l'indexation d'un document ? Quand je veux déposer un document dans Elasticsearch, en fait la première commande que je peux passer une fois que j'ai démarré Elasticsearch, c'est juste que je veux te déposer un document dans l'index qui s'appelle personne, et le titre de ce document c'est personne. Et je passe le document JSON tel que j'ai envie de le former. Okay, je ne me pose pas plus de questions que ça, j'envoie le document brut. La réponse Elasticsearch, ici, va vous dire je l'ai bien stocké dans l'index personne, son type c'est bien personne, l'ID que j'ai auto-généré, puisque tu ne m'en as pas fourni, c'est celui-là. Et puis c'est la première version du document que je vois passer. L'indicateur version n'est qu'une indication technique. Hein. Ne pensez pas qu'il va historiser les versions des documents que vous envoyez. C'est juste technique. Donc j'ai déposé mon document, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Ben avec cette ID là, je peux faire un get. Je veux juste récupérer le document que je viens d'envoyer. On fait du cru, hein. Donc il dit ok, je l'ai bien trouvé, et voici le document tel que tu me l'avais envoyé. Formatage compris, hein. C'est-à-dire, si vous aviez formaté sans retour à la ligne, vous l'aurez sans retour à la ligne ici. Donc on stocke vraiment brut ce que vous avez envoyé. Si vous voulez mettre à jour un document, en fait, vous faites un put de, dans mon index, mon type, l'ID, et puis là, ce que j'ai changé, c'est juste la valeur 1001. En fait, vous repassez le document entier. Vous ne faites pas un update, où vous choisissez juste le nom d'un champ. Il y a une API pour cet update qui existe, mais en réalité, ce que fait Elasticsearch quand vous faites un update, c'est qu'il relie le document, il fait une fusion et il repousse tout le document. De toute façon, à la fin, c'est un put. Il vous dit « Ok, je te reconfirme ce document-là » et cette fois, c'est la deuxième version de mon document. Si vous avez... c'est bon, je tiens ça après. Donc là, je l'ai mis à jour. Si vous voulez effacer un document... Ouais. Il n'y a pas un effet appelé du champ. Si, c'est ce que je viens de dire. Pourquoi tu n'as pas écouté ce que je viens de dire? Non.
Enfin, en réalité, si, quand tu fais un update, ce que fait Elasticsearch, c'est qu'il relie sur le serveur, il fait un get, il fusionne et il refait un compte. Mais toi, en tant qu'API, tu passes que le champ que tu veux mettre à jour. Je peux le taquiner, hein, parce que c'est un fan de Cassandra, donc je le taquine. Donc si je veux effacer un document, en fait, j'efface dans mon index mon type et je lui donne l'ID, il m'efface mon document. Ce que vous voyez, c'est d'ailleurs, en fait, il vous a dit « Ah ben, en fait, je t'ai fait un document version 3 qui est un document effacé. » On comprend que derrière, effacer, c'est pas vraiment supprimer, c'est faire autre chose. Ok. Ce qu'on va faire, on va indexer quelques personnes, et là, par exemple, je vais faire un put dans mon index personne, mon type personne, et je vais donner un ID cette fois. Donc si je veux créer un document avec son propre ID, bah, je fais juste un put avec l'ID. Donc là, je crée un document juste avec le nom. Je rajoute une deuxième personne, son nom c'est Joe Smith. Je fais une mise à jour du premier document et je lui dis, je te rajoute maintenant un champ date de naissance. Que va faire Elasticsearch en fait? Il va dire, la première fois, il va dire, ok, tu me donnes un nouveau type de document qui s'appelle personne, donc je vais mettre à jour le mapping, je sais que tu vas avoir un champ nom qui est de type stream. Ça, il fait ça automatiquement. Et quand vous faites l'update ici, il va vous dire, ok, j'avais déjà ce champ nom, je le connais, mais là, tu viens de me donner un nouveau champ. Donc en fait, il va faire une mise à jour automatique, il va faire ce qu'on appelle un merge mapping. Ça, c'est automatique. Vous n'avez pas à faire, si vous faites de l'injection massive, par exemple, à faire un stop l'injection, alter table, reprend l'injection. Vous avez des nouveaux champs, vous les balancez. Si je rajoute dans ma deuxième personne, je vais rajouter un autre champ qui s'appelle gender. Je ne suis pas obligé de préciser date of birth, je ne suis pas obligé de faire quoi que ce soit, c'est juste cette personne-là a une nouvelle propriété, une nouvelle caractéristique qui est le gender. Ok, vous faites ça. Donc on va le faire. Vous avez dans votre répertoire du workshop un répertoire qui s'appelle Sense Examples. Et là-dedans, vous avez un fichier qui s'appelle workshop1.sense. Okay. Dans ce fichier-là, en fait, j'ai repris, pour vous éviter d'avoir à tout retaper à la main, les différentes commandes qu'on va exécuter. Donc, pourquoi ça s'appelle .sense? C'est parce que dans Marvel, vous avez ici dans le petit onglet dashboard quelque chose qui s'appelle sense. Sense, ça vous permet de passer des requêtes curl. Alors c'est super pratique pour les utilisateurs de Windows. Moi, quand je faisais du Windows avec Elasticsearch, j'avais pas ça à l'époque. Faire du curl sous Windows, c'est juste un enfer. Donc avec ce plugin-là, vous allez pouvoir passer facilement des requêtes HTTP et voir le résultat ensuite à droite. L'intérêt de Sense, c'est que ça apporte aussi de l'autocomplétion. Vous allez voir ça tout à l'heure quand on va faire de la recherche, ça va être assez pratique. Donc moi, la première ligne, le delete personne, vous n'avez pas spécialement besoin de le faire, mais si vous faites la première ligne, vous ne voyez peut-être pas bien, il faut que je zoome. Donc j'indexe ma première personne, qui s'appelle Alessio. Pour exécuter une commande, enfin sur Mac, c'est pomme entrée. Sinon, la petite flèche verte, ici. Et donc il me dit bien, j'ai créé mon document, voici l'index display. Sauvegardez bien cet ID. Mettez-le dans votre presse papier. Pourquoi ça? Parce qu'après, les autres commandes qu'on exécute, c'est le get, le put, le delete. Donc je viens de mettre à jour mon script. Donc si je fais un get, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous revoyez bien la personne en question. Si je le mets à jour, c'est la deuxième version. Et si je refais un get derrière, je vois bien que mon document a été mis à jour. J'ai bien mes une chaussure. Et je termine par un delete. Et donc si je refais un get après mon delete, évidemment, il me dit bah, j'ai pas trouvé la personne. Quelqu'un a des difficultés à exécuter ce script?
fusion. Donc on fait purement du crude là. Si je fais cette commande-là, là, le delete slash personne, en fait je vais effacer tout mon index, donc toutes les données qui sont contenues dans mon index. Si j'ai 1 million de documents, il va effacer 1 million de documents. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, en mode cluster, il vaut mieux qu'on s'ignore les uns les autres, parce que celui qui fait ça, il efface tout le reste. Donc je peux le faire, par exemple, ici, hop, il m'a bien effacé mon index, tout va bien. Je refais le petit scénario de tout à l'heure. J'exécute ma première personne, ma deuxième personne. Je vais vous montrer quelque chose. Dans les logs, j'ai exécuté là les deux premières personnes. J'ai créé le premier Joe Smith là, en faisant mon put. Il m'a fait un update mapping. Vous devez tous avoir ça dans les logs Elasticsearch. Pour dire oui, tu m'avais envoyé un document avec un titre et des champs que je ne connaissais pas, donc je fais un update mapping. Si je fais la deuxième exécution, le put de Anaël, je sais plus comment il s'appelle, Joe Smith, mais je ne sais plus qui j'avais. Anaël le premier, Joe Smith le deuxième. À la deuxième commande, vous ne devez rien voir apparaître. Il n'a pas fait d'update mapping. Il n'y a pas de nouveau champ. Par contre, si je fais ici mise à jour avec date of birth, vous avez une ligne update mapping qui arrive. Et effectivement, je viens de mettre à jour le mapping. J'ai un champ supplémentaire à tenir compte. Et si je fais la personne 2, j'ai rajouté aussi le champ gender. J'ai à nouveau une troisième ligne update mapping. Le fait que quand on renvoie plusieurs fois les données exactement les mêmes, il continue à indexer la version, c'est... Il continue à incrémenter le numéro de version. Pour lui, ouais. C'est un nouveau document. D'accord. Enfin, oui, il ne fait pas de delta, quoi. Non. Non, il te fait confiance. Il a tort. Il a tort. Mais il te fait confiance. Tu veux faire quelque chose. Ça va pour tout le monde, ça ? Il y a un problème ? Quelqu'un n'a pas compris ce qu'on a fait ? Et du coup, les données de l'ancienne version, elles sont... Alors, elles ne sont pas accessibles. Elles sont en réalité toujours présentes physiquement sur le disque dur, mais tu ne peux pas les voir toi d'un point de vue fonctionnel. Au bout d'un moment, elles vont disparaître. Justement, la disparition est automatique ou il faut prévoir C'est automatique, la disparition. Si on fait du Lucene, en fait, ce qu'il faut savoir dans Lucene, c'est que la façon dont fonctionne Lucene, c'est qu'il écrit sur disque des fichiers qu'on appelle les segments, et les segments sont immutables. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a écrit un segment, un bout de l'index, on ne va plus jamais toucher à ce segment pour faire à nouveau des mises à jour. On va faire que de la lecture de ces segments. Donc c'est pour ça que quand on efface un document, en fait, on n'efface pas vraiment physiquement le document de l'index, on rajoute un nouveau fichier qui dit « Attention, cet ID-là n'est plus disponible pour la recherche. » Et au bout d'un moment, quand on va avoir trop de segments gérés, Lucene va faire une fusion des segments. Et en faisant cette fusion des segments, il va nettoyer les trucs vides, il va virer les anciennes versions, tout ça, il va faire ce nettoyage. C'est une sorte de garbage collector au sens Lucene. Et au niveau système, comment ça se passe quand les collecteurs passent ? D'un coup, la machine n'est plus dispo ou... Non, elle est complètement dispo, tout fonctionne toujours. Ça peut générer des I.O. par contre importants. Donc éventuellement, ça peut provoquer un ralentissement dans des cas extrêmes. Quelqu'un qui fait, par exemple, énormément d'updates, typiquement sur Elasticsearch, ça va commencer à entraîner un pattern un petit peu... Pas qu'il n'est pas prévu pour ça, mais on sort des lignes de ce qu'on devrait faire normalement avec un index du Lucene et avec Elasticsearch. Il y a de la sécurité quand même au niveau des frais, pour s'assurer que les clés dans lecture ne sont pas bloquées par des choses là. Il y a de la priorité quand même au niveau des frais, pour s'assurer que les clés dans lecture ne sont pas bloquées par des sources de données. Oui, alors il y a des priorités, il y a beaucoup de frais qui existent. Et le fret de merge des segments, c'est vraiment quelque chose, c'est un processus qui est à part. Que tu peux continuer à rajouter des nouveaux segments pour autant, tu peux continuer à rechercher sur les anciens segments même s'ils sont en train d'être mergés, la terme s'arrête pas. C'est complètement transparent dans 99% des cas pour moi. Bon. Ce qu'on va faire, surtout vous effacez pas votre index. N'effacez pas, vous ne faites pas le delete personne, ne le faites pas. Don't remove the index.
On va exécuter un injecteur, en fait, qui va permettre d'injecter 500 000 personnes dans Elasticsearch. Okay. Cet injecteur, c'est un petit programme que j'ai fait en Java. Donc ça se lance, il y a un point .sh, mais sinon ça se lance comme ça, java-jar, le nom de l'injecteur. Je veux injecter 500 000 personnes par paquet de 10 000. C'est, on a un mode bulk, une sorte de mode batch, qui est beaucoup plus rapide que des insertions une par une. Et j'indexe ça dans un index qui s'appelle workshop. Donc si vous avez changé le cluster name, dans un cluster qui s'appelle workshop. Si vous avez changé le cluster name, c'est ici qu'il faut modifier avec votre nom de cluster. Et en fait, on va regarder quel est l'effet dans Marvel. Donc je vais le faire avec vous. Je me mets dans mon injecteur. Vous avez un exemple de ligne de commande dans l'injecteur.sh, hein, si vous voulez pas tout recopier. Il n'y a pas le point SH. Vous avez le point char ou pas? Dans binarise, oui. Donc on a dit 500 000. 500 000 par paquet de 10 000. Alors 10 000, moi j'ai constaté que sur mon poste c'était bien, c'était une bonne valeur. Chez vous c'est peut-être pas bien, il faut voir. Ça se teste, mais on va pas avoir le temps de tester dans l'index workshop. Ce que je fais, c'est que je génère 500 000 personnes vers le cluster workshop. Et il est fait par paquet de 10 000. Vous allez voir des trucs bizarres peut-être, vous allez voir que des fois c'est pas 10 000 qui fait. Et c'est la façon dont on a implémenté mon système de bulk. Donc là c'est pas grave. Ça doit pas vous choquer. Le principal c'est qu'à la fin on ait bien les 500 000. Donc ça injecte. Oui ça va, les machines vont chauffer, ouvrez les fenêtres. Donc ce qu'on peut regarder par contre c'est l'effet dans Marvel. Vous devriez voir effectivement votre CPU ici augmenté. Là. Et vous devriez voir en bas l'index personne qui a été créé avec le nombre de documents qui augmente. Et vous devriez voir votre index request qui doit augmenter. Alors dans Marvel, vous pouvez dire, au lieu de regarder sur la dernière heure, je vais regarder sur les 5 dernières minutes, par exemple, pour avoir plus d'informations. Voilà, en ce moment, je tourne à peu près à 5-6 000 indexations par seconde, documents par seconde. Je devrais monter plus haut, normalement. Je monte à 8 000 en général. Je ne sais pas pourquoi je ne monte pas plus haut. Mais... Est-ce que quelqu'un ne voit pas ça ? Oui, c'est pas mal. Tu sélectionnes la partie qui s'intéresse. Et là, Attends, je vais brancher, je dois.
Déjà, moi je suis con, j'ai. Là, il y a un mois qui s'est fait d'ailleurs et des jeux. C'est moi qui connais. En fait, je change la salle. En fait, en plus, il y a un autre jeu. Normalement, vous devez avoir fini votre injection, j'espère. Donc, vous devriez voir une belle courbe plate. Ici, on est à 500 000 documents. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une nouvelle fenêtre dans le dossier d'Elasticsearch et on va lancer une nouvelle instance d'Elasticsearch. On va lancer un nouveau nœud. Ce que je fais ici. Donc, il lance un nouveau nœud et il trouve un nouveau port de communication disponible, 93.01. Et ce qu'il doit vous dire, c'est qu'il a détecté un maître. Donc les deux nœuds forment ensemble un cluster. Et le port de communication 92.01 a démarré. Ce que vous devez voir dans Marvel, alors, il y a un petit moment de rafraîchissement, mais c'est qu'effectivement vous avez deux nœuds. Maintenant. Ça va pour tout le monde, ça? Ok. Je vais vous faire voir une fonctionnalité que vous n'avez pas aujourd'hui dans Marvel, qui va être disponible dans la prochaine version de Marvel, qui s'appelle le Shard Allocation. Dans Shard Allocation, en fait, vous pouvez voir... C'est un peu bas, je vais remonter pour ceux qui sont au fond. Dans Shard Allocation, ça vous montre quelque chose comme ça. Ça veut dire que j'ai un index qui s'appelle Personne. Mon index Personne a été découpé en 5 shards, 0, 1, 2, 3, 4. Et en fait, mes 5 shards ont été répliqués une fois sur un autre nœud. 0, 1, 2, 3, 4. Ce sont les réplicas. Tu peux repréciser ce que c'est un shard exactement? Un shard, c'est un sous-ensemble de l'index. On partitionne l'index en plusieurs parties. D'accord. Chaque carré, c'est une instance de Lucene. C'est un Lucene qui tourne, un Lucene qui tourne, un Lucene qui tourne. Des Lucene complètement indépendants les uns des autres. Et ils n'ont qu'une partie de l'index. Ils n'ont qu'une partie de l'index. Une partie de l'index. Donc quand tu vas faire ta requête, tu vas t'adresser à ces 5 shards. Exactement. Par défaut, tu t'adresses aux 5. Ce réplica-là, c'est une copie exacte de celui-là. Donc potentiellement, quand je vais faire une requête, je ne sais pas si je vais taper dans ce shard-là ou celui-là. Pour moi, c'est le même. Okay. Je vais démarrer un autre nœud Elasticsearch. Ah, j'ai peut-être un peu plus de RAM que vous. Mais c'est les settings par défaut, donc maximum, il va prendre 1 giga par process. Mais pour c'est 256 par défaut. Pourquoi il démarre pas? Petit. Il est nous, il est trop où là? C'est la liste des personnages Marvel. Ouais. Il a une liste. On peut le forcer. C'est même conseillé de le forcer en prod. Je sais pas pourquoi mon ordinateur est super super long, je peux peut-être tout ce qu'il voudrait pas. Ah, il j'ai l'impression que c'est mon Google Chrome qui est parti dans les choux. Mmh.
Non, pourtant, j'ai une idée. Ah, il y a des images derrière. Ouais, c'est super. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc là, en fait, ce que vous allez voir apparaître, c'est l'arrivée d'un autre nœud. Donc vous, vous n'avez pas cette version-là, mais vous devez voir quand même un autre nœud apparaître si vous lancez un troisième nœud. Qu'est-ce qu'il fait, elasticsearch ? Il dit, j'ai de la puissance matérielle supplémentaire, c'est pas la peine de faire tourner tous mes chars, toutes mes instances spéciales ici, je vais les allouer, les déplacer automatiquement sur une autre machine. Donc là, il a déplacé, voilà. Il a recopié à travers le réseau, donc ça coûte du réseau, évidemment, automatiquement les chars. Vas-y. Comment elasticsearch décide En fait, pour l'instant, l'algorithme qu'on utilise, c'est juste qu'on veut un nombre de chars de par machine qui est équivalent, le plus équivalent possible. Mais entre chars, il n'y a pas d'équilibrage ? Non. Enfin, pardon, il y a un truc qu'on ne fait pas, par contre, c'est allouer deux fois le même char sur la même machine, donc le réplica et le primaire. On ne fait pas. Après, tu as des stratégies, tu peux forcer, tu peux dire je veux obligatoirement que mon index soit alloué sur telle machine et pas sur telle autre, tout ça c'est configurable. On va mettre à jour un truc qui s'appelle l'allocation decider, qui va permettre de tenir compte des performances de la machine ou de l'espace disque sur la machine. Aujourd'hui, pour nous, toutes les machines sont égales et donc on distribue de façon égale. Donc si je démarre une quatrième instance. T'es toujours aussi lent à démarrer, alors, première fois que je vois ça. Je ne sais pas ce qu'il fait. Alors, ce qui est sympa avec Marvel, c'est que vous pouvez rejouer ce qui s'est passé dans le temps. En fait, avec ça, vous vous mettez à cet endroit-là, par exemple. Vous voyez que quand j'ai créé mon index, il avait commencé par faire de l'allocation des chars. Ils n'étaient pas prêts pour être utilisés. Et si j'avance dans le temps, là, qu'ils sont tous alloués. Et donc, vous pouvez vous mettre à un endroit, vous dites, tiens, qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Je rejoue. Ah, il s'est passé tout ça. Ah, j'ai un nouveau nœud qui a été créé, sans doute. C'est joli. Oui, c'est parce qu'on a injecté 500 000 documents, donc il a créé un index, il a créé des charts, donc les documents sont là-dedans. Non, mais ce que tu fais défiler l'ordre sur le play, c'est un autre document dans le S. Oui, qui permet de lire ça. Mais c'est dans l'index.marvel sur la clé. C'est Marvel, c'est Marvel, c'est Marvel, c'est Marvel, sans Marvel, on les a passés. Ouais. Mais encore une fois, Marvel se sert que des API publics d'Elasticsearch. Si tu veux refaire ton propre plugin Marvel parce que tu veux pas acheter la licence ou prendre le support. Ils font un peu la répartition du char. Vous avez une autre possibilité, plutôt que de connaître l'index inversé, c'est de dire je veux que tu m'appliques le même analyseur que tu as utilisé pendant la phase d'indexation, je veux que tu l'appliques à la phase de recherche. Et pour ça, au lieu de faire un term query, on fait un match query. Si je cherche avec un match query le mot Germany, ou Germany the country, qu'importe, en tout cas, ça va me produire un token qui s'appelle Germany G minuscule, et Germany G minuscule égale Germany G minuscule que j'ai dans l'index inversé. Donc je trouve le document. Ce que je vous disais tout à l'heure, la façon dont on produit l'index a énormément d'importance. On peut changer les analyseurs. On peut changer les analyseurs. Par exemple, on peut dire sur la base qu'on crée un analyseur qui, par exemple, respecte la casse. C'est possible. Ouais. C'est en fait, tu peux forcer le mapping. Par défaut, il a assez sûr, je prends des décisions pour toi, mais tu peux le forcer. J'invite à forcer le mapping d'ailleurs. C'est beaucoup mieux de maîtriser la façon dont ton index est assez sûr. Donc, du coup, on doit connaître nos champs à l'avance. Oui, alors tu peux utiliser des templates aussi, en disant si j'ai un nouveau champ qui arrive, qui a par exemple telle syntaxe, qui commence par, tu as des expressions régulières pour faire ça, tu peux dire, bah, alors à ce moment-là, tu vas appliquer tel pattern, c'est une chaîne de caractères, sans analyseur, avec analyseur, tel analyseur, tout ça est...
On peut faire des choses un peu plus complexes. Donc je peux faire par exemple, j'ai pas dit, mais ça s'appelle le query DSL. Donc c'est notre langage à nous, c'est notre SQL à nous en fait. Hein. C'est comme ça qu'on fait des queries. Je veux faire une requête booléenne qui doit satisfaire tous les critères suivants. Donc j'ai un premier critère là et un deuxième critère là. Je veux que dans le champ address.country, j'ai Germany. Et je veux que la date de naissance soit comprise entre 1970 et 1971. Donc je vais avoir les deux critères appliqués. C'est du must, donc c'est obligatoirement les deux. On peut mettre du should. Le should veut dire « ce serait bien ». Que va faire le « ce serait bien » C'est que, si par exemple, j'extrais cette ligne-là et que je mets ça dans une clause should à côté, cette clause-là va être obligatoire. Le « ce serait bien » va juste améliorer la pertinence. Ça veut dire que si j'ai des documents entre 1970 et 1971, eh ben ils vont être plus pertinents que les autres. Donc ils vont remonter en haut, les résultats. Ce serait bien en SQL. C'est ça. Alors là... Alors on peut commencer... on pourrait commencer ces premiers exercices, mais pour gagner un peu de temps, je vous propose qu'on refasse autre chose. C'est qu'en fait, on va effacer l'index personne et on va réinjecter avec notre script les 500 000 documents. On va le refaire une deuxième fois. Pourquoi ça ? Ce que j'ai fait dans cet injecteur, c'est que je dis si jamais tu as un index qui existe déjà, ce qui était le cas tout à l'heure, on avait créé les premiers documents, à ce moment-là, tu utilises le mapping par défaut que tu avais généré. Dans l'injecteur, j'ai dit si jamais l'index n'existe pas, à ce moment-là, tu vas le créer, et tu vas le créer avec un mapping particulier. Je vais forcer le mapping, dans ce cas-là. C'est ce que je vais vous montrer avec cette commande-là. Donc, je vais vous montrer, pour éviter que vous ayez à le manipuler, je vais vous montrer exactement ce dont je parle. Aujourd'hui, si je fais un get person/person/mapping, j'exécute ça. Le mapping qu'a autodéterminé Elasticsearch pour tous les champs. Vous voyez ici, city, là, c'est une chaîne de caractères, country, c'est une chaîne de caractères, country code, c'est une chaîne. Location, ah, vous avez mes coordonnées géographiques tout à l'heure. Il a dit, ah bah tiens, c'est un double. En réalité, c'était un tableau de double, mais pour lui, c'est un double. C'est toujours multivalué. Un zip code, c'est une chaîne de caractères. Children, c'est un long, oui, parce qu'il a trouvé. Date de naissance, il l'a bien trouvé. Puis le reste, c'est des longues. Okay. Donc il a fait ça. Si j'efface mon index Elasticsearch, ah, il y a des personnes qui ont recommencé l'injection, ça, je sens que ça chauffe. Ça risque de chauffer un peu plus si vous avez les 4 nœuds toujours allumés. Hein. Parce qu'il va indexer du coup partout. Vous allez mettre à jour votre machine. Je vais d'ailleurs tuer quelques nœuds. Hein. J'en tue un. Ouais. Alors quand vous tuez les deux, si vous effacez l'index personne, c'est pas très grave. Parce qu'il reste présent dans le Marvel en disant le nœud, il n'y a pas de nouvelles de lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'il n'est pas tué, il est juste. D'un point de vue Marvel, il existe toujours, il a existé à un moment. Il est vraiment tué physiquement, il n'existe plus du tout, mais potentiellement on aimerait bien qu'il revienne. Et il va essayer de rééquilibrer le truc ou... Là, il rééquilibre. Par exemple, j'ai tué mon nœud. Ouais. Effectivement, si je regarde dans mon shard allocation, j'étais là. Donc j'avais 3 nœuds. Là, il a eu un petit problème lors de la collecte, apparemment, au niveau Marvel. Il devrait me montrer à la fin de la dernière version avec juste les trois. Ah, mais non, je suis bête, j'ai effacé l'index de personne. Mais effectivement, il rééquilibre. J'aurais dû vous montrer ça avant de tuer l'index. Donc je relance mon injection aussi. Donc en relançant mon injection, je retourne dans Sense et je redemande le mapping qui n'existe toujours pas, il n'a pas fait son injection. Alors, j'ai mon injecteur. Ça fait longtemps que j'ai pas rebooté mon Mac. Là, il
a un peu de mal à démarrer. Je sais pas ce qu'il fait encore. Je me sens, j'ai pas de charge particulière. Mais... Ok, bon, il a commencé mon injection, donc maintenant si je réclame le mapping, là j'ai forcé un mapping. Et en forçant ce mapping, je lui ai dit par exemple, la ville, je veux même pas que tu analyses le contenu. Tout ce que tu me passes dans le champ ville, je l'indexe tel que tu me le donnes. S'il y a des espaces, s'il y a des points virgules, des points d'exclamation, j'indexe tel que. Country, c'est pareil. Country code, j'ai pas analysé. Location, je l'ai forcé. Je lui ai dit, attention, c'est plus des doubles, ce sont des coordonnées géographiques que je te passe. Et latitude, longitude, etc., etc. Et ça, ça va me permettre de faire autre chose. Notamment si je réexécute mes requêtes de tout à l'heure. Alors je ne vous ai pas dit, mais dans le répertoire Sense, hein, vous avez tout le workshop qui est disponible si vous voulez jouer avec. Si je refais ma recherche, rappelez mon terme query, qui ne fonctionnait pas, enfin normalement qui ne fonctionnait pas tout à l'heure parce que j'avais pas créé de mapping par défaut. Si je le réexécute ici, tac, il fonctionne. Maintenant, il me trouve bien 65 715 documents. Parce qu'effectivement, mon country, il l'a indexé avec Germanie, G majuscule, puisque j'ai fait not analyze. En fait, ce que j'ai fait, c'est que dans l'injecteur.jar en Java, j'ai forcé le mapping. En fait, tu peux faire un put slash person slash underscore mapping et tu passes le document JSON qu'on vient de voir tout à l'heure. Et là, c'est comme ça que tu vas créer ton mapping. Il y a une API mapping qui existe dans Elasticsearch. Ton source d'injecteur, il est disponible ? Non, il n'est pas disponible aujourd'hui. Je négocie avec la boîte pour le mettre disponible, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a commencé à vendre des workshops. Donc voilà, ça gêne un peu la boîte que je. Vraiment. Comme c'est pas le même workshop qu'on vend, c'est un workshop Elasticsearch, Logsearch, Kibana, je me dis que je peux arriver à faire passer le truc, mais malheureusement pour l'instant il n'est pas disponible. Après, c'est pas compliqué à faire. Non, non, mais je comprends ta question. J'ai posé la même. J'ai pas l'autorisation pour l'instant. C'est comme les slides, je peux pas les rendre plus simples. On va parler des agrégations. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec des agrégations? En fait, c'est faire du calcul sur l'index inversé. Qu'est-ce que je veux faire ici, par exemple? J'exécute toujours ma méthode search. Je passe pas de paramètres, en gros, ça veut dire donne-moi tout. Donne-moi mes 500 000 documents. Et je vais faire une agrégation qui va s'appeler by country de type terms. L'agrégation de type terms donne les 10, le top 10 des valeurs dans un champ. C'est une sorte de groupe by count ordonné par les valeurs les plus hautes. Et je lui ai dit, voici le champ sur lequel je travaillais, c'est address.country. En même temps que les 10 premiers résultats de la recherche, Elasticsearch va vous dire, voici le calcul de l'agrégation que j'ai trouvé. Répartition par pays, England 30051, Germany 30004, France, etc., etc. Donc avec ça, vous faites des jolis graphiques comme ça. Ça se retrouve dans Excel, c'est super. Ça, c'est une agrégation de type terms. Comme on a des dates, on peut faire aussi des histogrammes de dates. Donc, histogramme de date, pareil, je demande une agrégation par date, je veux un histogramme de date sur le champ date de naissance, et je veux un intervalle à l'année. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux compter mes personnes par année, lequel est le nombre de personnes que j'ai par année. La réponse d'Elasticsearch, en même temps que les 10 premiers documents,
va être, bah ok, pour 1960 j'ai trouvé 39 documents, 1961, 2177, etc. Et avec ça, vous faites toujours des jolis graphiques comme ça. Donc vous fabriquez des buckets. Et des valeurs. On peut faire des opérations mathématiques, genre des sommes, des choses comme ça. Dans les agrégations, il me semble que oui. Tu veux compter par exemple la somme sur des documents ? Je vais faire les sommes sur des valeurs numériques type énergie par exemple. Alors, je vais en parler juste après, mais pour les sommes, oui. Les valeurs moyennes, les percentiles, tout ça. C'est pas du script que tu as ingéré par contre, c'est des fonctions pré-codées. Vous pouvez avoir cette agrégation par date, et vous pouvez rajouter une deuxième agrégation à côté, et donc en un appel, vous avez le résultat des deux agrégations. La clé, ça représente quoi? La clé, très bonne question, c'est la façon dont Elasticsearch indexe des dates, en fait, dans Lucene. Lucene ne sait pas gérer les dates, donc c'est nombre de millisecondes since époque, depuis 1970. Donc là, je suis en 1960, donc c'est négatif. Je passe valeur. C'est la façon dont Elasticsearch indexe les dates. C'est pour ça qu'il y a ici, vous pouvez mettre le format de l'output pour avoir un key à string plus utilisable d'un point de vue rendu. Vous pouvez faire des choses sympas. Vous pouvez dire donc, je couple ça avec ma requête. Donc je fais toujours ma requête. Je cherche les personnes nées en Allemagne, habitant en Allemagne, nées entre 1970 et 1971. Et je veux faire une première agrégation par date de naissance, à l'intervalle au mois, parce que j'ai filtré à l'année, donc je veux cette fois à l'intervalle au mois. Je veux toutes les heures, je mets hour, je veux year, je mets year, je mets deux semaines de W, enfin c'est comme ça que ça se fait. Le format que je veux, c'est celui-là maintenant. Donc ça, il va me générer des buckets pour chaque mois de l'année 1970, janvier, février, mars, avril. Et je vais dire, sous cette agrégation-là, je veux que tu me calcules une sous-agrégation. Pour chaque bucket, je veux la répartition homme-femme. En janvier, combien j'avais d'hommes, combien de femmes. En février, combien d'hommes, combien de femmes. Et pour répondre à ta question, je vais dire, pour chaque bucket homme-femme, je veux que tu me calcules les statistiques sur le champ numérique children. Donc là, il va donner valeur min, valeur max, moyenne, somme totale. On peut faire average au lieu de stats, pour avoir juste la moyenne, par exemple. Tout ça, ça se fait en un appel. Sur tout votre dataset. Donc on va y aller. Ça, c'est une partie qui est super intéressante, je trouve. Je dis pas que le reste était chiant, mais... Donc dans le workshop, vous avez un truc qui s'appelle workshop 3. Alors, si vous voulez, hein, vous pouvez injecter plus de documents. Hein. Je vais en injecter 1 million. Hein. Alors attention, dans le fichier que j'ai passé, le premier, il y a un petit caractère là, qui apparaît en rouge. Il y a un bug, il faut l'effacer ce caractère. Ok. Donc ça marchait pas. Ouais. C'est comme si c'était tout le temps. Que la requête faisait rien. Oui, c'est ça, oui. Oui. C'est parce qu'il s'est planté. C'est parce qu'il s'est planté de l'autre côté. Si tu regardes dans ta console Java, tu devrais voir une grosse stack trace ou un truc comme ça. Et sur Marvel, on n'a pas de self-server en fait. C'est parce qu'il s'est planté. Ouais. Ouais, c'est qu'il attend la réponse. C'est un cas qui ne devrait pas se produire. C'est un bug à remonter à Marvel. Ce que je veux vous montrer, c'est que sur mes 500 000 documents, il a trouvé la répartition ici par adresse. Et je suis en train d'indexer normalement. Donc vous voyez que mon indexation continue. En temps réel, je recalcule les agrégations. C'est pas du batch. Okay, on n'attend pas 5-10 minutes pour calculer des valeurs. On fait du calcul d'agrégation en temps réel. Okay. Super important hein, par rapport à d'autres outils dont vous avez pu entendre parler. Voilà. On peut savoir si la requête qu'on a effectuée, tout n'est pas réellement indexé ou c'est en cours. Bah là, tu le vois par rapport au nombre total. Ouais. Tu peux pas savoir ce que le mec t'a pas envoyé. La question, c'est le décalage par rapport à ton indexé. Alors oui, effectivement, il y a 1 seconde de latence entre le moment où tu envoies un document à l'indexation et le moment où il est cherchable et calculable. Je parle pas du get de tout à l'heure, hein. Le get c'est en réel, mais le search, il y a 1 seconde de latence par défaut. Alors ça se paramètre.
On peut essayer de réduire ce temps-là, mais il y a un vrai coût à payer. Je parlais tout à l'heure des merges segments, bah, plus c'est on fait de merges segments. Si on fait des bulk import et qu'on insère vraiment massivement, on reste à une seconde. Oui, c'est ça. Bah, là, c'est ce que je fais. Enfin, je dis, à partir du moment où tu as reçu la réponse d'Elasticsearch qu'il a bien traité ton bug. C'est pas au moment où tu as envoyé le bug, c'est au moment où tu as reçu la réponse en disant ça y est, je l'ai pris en compte. Mais dans l'idée, ça va vite. Hein. Je suis pas encore à mon million, mais là, je sais pas, il est super. Normalement, injecter un million de documents sur mon poste, c'est moins une minute. Je suis une minute trente ou ça. Donc, si je fais mon agrégation par date, donc là, il est lent la première fois. Il est très lent. Si je remonte une deuxième fois, il devrait être plus rapide. Donc il met des trucs en cache, vous avez compris. Donc typiquement, ici, j'ai fait l'agrégation par année de naissance. Voici mes personnes par année de naissance. 1940, 1941, etc. Si je fais mon cas un petit peu tordu de tout à l'heure, où j'ai fait, je veux voir toutes les personnes du mois, enfin en 1970, mois par mois, et là, je fais juste avec la répartition par sexe, bah voilà mon résultat. Donc j'ai en janvier 1970, j'ai en tout 320 personnes qui se répartissent en 163 hommes, 157 femmes. Quand je vous parlais de sense tout à l'heure, hein, pourquoi c'est sympa? Bah parce que notamment, vous avez de l'autocomplétion. Moi, je ne sais pas écrire les requêtes, je ne connais pas l'API par cœur. Donc si je veux une nouvelle agrégation, une sous-agrégation ici, je vais l'appeler, children. Le type que je veux, bah tiens, je veux faire de l'average par exemple, ok, sur le champ children. Je calcule ici mon nombre moyen d'enfants pour les hommes de 1970 du mois de janvier et le nombre moyen d'enfants pour les 158 femmes du mois de janvier. Et ça continue à indexer, peut-être, ou j'ai fini, je ne sais pas. Bon, ouais, quand j'ai fini d'indexer, ça va encore plus vite, 13 ou 10 secondes, ça. Je l'ai déjà fait. Vous avez une nouvelle agrégation qui vient de sortir. Alors, tout est pluginifiable chez Elasticsearch. Vous pouvez rajouter vos propres plugins d'agrégation maintenant. Et notamment, il y en a une qui s'appelle Personifies. Je crois que ça s'écrit comme ça, de mémoire. Et ça, ça vous donne alors des percentiles par défaut. Ça vous dit que 99% des personnes ont au moins, 4 enfants ou moins, 95% des personnes ont 4 enfants ou moins, 75% des personnes ont 3 enfants ou moins, etc. Il y a pas mal d'agrégations qui existent, vous pouvez faire des agrégations sur des coordonnées géographiques. Trouve-moi autour de ce point le nombre de documents que j'ai dans un rayon de 20 km, de 30 km, de 50 km. Là, qui va vous ramener ces trucs. Tout ça, vous mixez ça comme vous. Ça va? C'est cool, non? Ça coûte pas très cher à mettre en place. Ok. On va jouer maintenant avec ce qu'on vient de voir. Alors, pas exactement avec ce qu'on vient de voir. Les agrégations, c'est quelque chose qui est arrivé dans Elasticsearch version 1. Avant les agrégations, on avait ce qu'on appelle les facettes. Sauf que les facettes sont des agrégations, mais à un seul niveau. Donc ce qu'on fait, là, les agrégations d'agrégation d'agrégation, on ne pouvait pas le faire avec les facettes. Avec Kibana, projet développé par Elasticsearch, en licence Apache 2 aussi, donc vous l'utilisez comme vous voulez dans vos projets. Kibana va tirer parti aujourd'hui des facettes. Kibana version 3 tire parti des facettes. Donc on n'a pas ce système d'agrégation d'agrégation d'agrégation. Ça va évoluer, on est en train de développer la version 4 de Kibana. Donc ça viendra, mais il faut un peu de temps. Ce ne sera pas avant la fin de l'année, je pense. Alors comment on installe Kibana? Ben, un petit peu comme tout à l'heure, on fait bin slash plugin install Elasticsearch Kibana, par exemple. Ou on télécharge la distribution, ou on fait comme tout à l'heure, bin slash plugin tirer install Kibana, tirer URL, point point slash kibana.zip que vous avez dans votre, sur votre poste. Et après, on ouvre dans le browser Kibana, par exemple. Et après, on joue. Vous n'avez pas besoin de redémarrer Elasticsearch. Hein. Le plugin Kibana est automatiquement... C'est pas
Dans Marvel, c'est un Kibana, ouais. On aurait pu réutiliser le même si on voulait, mais bon, je préfère montrer qu'il n'y a pas de lien entre les deux. T'es pas obligé de prendre Marvel pour faire des dashboards. Voilà.
Mais nous, là, c'est pour générer la boucle. Non, mais il y a aussi un peu de temps. Si vous avez des mises si tu veux, si tu veux, c'est le pays de l'eau. Ça, c'est le pays. Par contre, si j'avais des bonnes séries, les éditeurs. Non, il y a ah, ok, c'est bon, ça fait. On aura peut-être le temps de faire un shutter restore. Donc si vous ouvrez Kibana. Moi je l'ai ouvert ailleurs. Qu'est-ce qu'il est long? J'ai l'impression que c'est un problème d'adresse. J'essaye de faire des trucs. Donc quand vous êtes dans Kibana, vous arrivez dans Kibana par défaut, il vous propose différents dashboards. Je suis désolé pour ceux qui sont au fond, je vais vous montrer ça. Des dashboards par défaut préconfigurés notamment pour Logstash. Si vous avez fait du Logstash, c'est-à-dire que vous avez dans un use case de log, vous avez récupéré des logs de vos machines, vous avez tout centralisé dans un elasticsearch, vous avez un dashboard par défaut qui arrive, qui est fait pour Logstash et qui va vous permettre de visualiser vos groupes. Nous, on va partir ici d'un blank dashboard. On ne fait pas du log, on a des objets, ce sont des personnes qu'on a indexées. Et donc, je vais partir du blank dashboard. La première chose que je vais faire, je vais aller dans Configure dashboard, ici, en haut à droite. J'ai un menu qui s'ouvre. Je vais changer le nom de l'index. Dans l'onglet index ici, je change le nom de l'index et je lui dis que je vais taper sur l'index qui s'appelle personne. J'active la case aussi preload field qui va lui permettre de précharger les champs, de demander à Elasticsearch le mapping en fait, pour que Kibana ait connaissance des champs. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est mieux. Je vais changer autre chose, moi de mon côté, je vais changer le style, je vais mettre light. Comme ça vous verrez mieux. Et je sauvegarde. Donc à partir de ce moment-là, je peux exécuter des requêtes. Si j'exécute ma requête ici, ben en fait il a exécuté quelque chose. Et comme j'affiche rien, ça n'a aucun intérêt cette démo. Donc en fait je vais rajouter ce qu'on appelle des lignes. Donc c'est penser Twitter Bootstrap. Vous faites des lignes et puis après vous avez des composants que vous mettez dans vos lignes. Ben, c'est exactement ça. Je rajoute une ligne. Je peux lui donner un petit nom si je veux, mais ça n'a pas d'importance. Et je sauvegarde ma ligne. Là j'ai une ligne qui apparaît, qui est vide. À gauche. Vous avez la possibilité sur le petit bouton vert là, de faire un add panel. Donc, je vais rajouter un composant graphique. Il m'offre cette interface, add panel, et je peux choisir le type de composant graphique que je souhaite utiliser. Première chose que je veux faire ici, je vais afficher le nombre total de hits qui correspondent à ma recherche. Donc, je choisis le panel hits. Je peux choisir la taille. Je peux choisir, je veux voir juste la somme totale, mais là je vais laisser par défaut ce qu'il y a. Bah, je fais un save. Ok, qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai trouvé 1 million de hits qui correspondent aux critères de recherche. C'est vrai. J'ai bien 1 million de hits. Enfin, parce que j'ai indexé 1 million. À la place de l'étoile, je vais chercher Joe. Est-ce que j'ai des Joe dans mon dataset? Donc là, je fais de la recherche full text, hein, vous avez compris, dans, quelque part dans mon document JSON, il doit y avoir le mot Joe. Donc j'ai trouvé 1532 Joe. Si j'appuie sur le petit plus dans la barre de recherche, je peux rajouter un deuxième critère. Est-ce que j'aurais pas aussi des John? Voici la répartition de mes verts et mes jaunes. Alors comme je veux donner des petits noms plus jolis, je vais cliquer sur la petite pastille ici. Je vais lui dire que c'est John. Je vais changer la couleur si je veux. Et je vais changer la couleur de Joe. Mettre du bleu. Ok. Ça me change les labels ici. De mes John et mes Joe. Bon, on n'a rien fait de sorcier. Hein. On a juste lancé deux requêtes dans Elasticsearch.
En passant, si vous voulez voir ce qu'a fait Kibana, comment il a interrogé, comment il a créé ce dashboard, vous cliquez sur le petit bouton Inspect. Et là, vous voyez la requête curl exacte qui exécute Kibana pour générer le dashboard. Donc ça, vous pouvez la réexécuter dans votre browser si vous voulez. Je ne vais pas le faire là. Si vous réexécutez ça, donc pas dans votre browser, pardon, dans votre terminal, pas sous Windows, à ce moment-là, vous aurez exactement le même résultat que Kibana a mis en forme. Okay. On a parlé des agrégations histogrammes tout à l'heure. Donc, historiquement, on a des date histogrammes facettes qui existent dans Elasticsearch. Donc, qui dit histogramme dit composant graphique histogramme aussi. Donc, je vais rajouter un nouveau panel qui va être un histogramme sur le champ date of birth. Si vous avez fait preload field, ici vous avez l'autocomplétion. Je vais augmenter la taille de ce composant, je vais mettre une taille de 6 pour que ça soit plus visible. Et je vais tout en bas et je sauvegarde ce composant. Alors, il y a un petit bug d'affichage, il faut relancer une fois la recherche. Que vient de faire Kibana? Il a demandé à Elasticsearch de faire le calcul des histogrammes, d'un histogramme de date avec une répartition par année par défaut. Et donc il vous représente les Joe et John par année de naissance. Ouais. Ça va ça? Ok. Je rajoute un autre composant. Je vais faire un terms panel, donc qui est câblé avec le terms facet ou terms agrégation, top 10 des valeurs. J'ai un champ qui s'appelle gender. Ici, dans la partie field, je choisis gender. Et au lieu d'afficher sous forme de bar graph, je vais afficher ça sous forme de camembert. Ouais. Là, je vais désactiver missing over, mais vous pouvez laisser les valeurs par défaut si vous voulez. Enfin, vous faites ce que vous voulez avec le dashboard. Et faites un terms panel. Sinon, vous regardez juste ce que je fais. Donc voici la répartition de mes Joe et mes John par sexe. J'espère que ça choque quelqu'un. J'ai quand même 25% de femmes qui sont des Joe et des John. Donc on va essayer de comprendre ce qui se passe. Pour comprendre ce qui se passe, on va extraire la donnée, en fait, brute. Je vais remonter un peu tout ça pour que vous voyez au fond. Donc ici, dans la ligne du dessous, je vais rajouter une nouvelle ligne, en fait, pour rajouter un nouveau composant graphique. Je vais faire un peu plus grand, 300. Je crée la ligne, je sauvegarde. Dans cette ligne, maintenant, je peux rajouter un composant. Le composant que je vais choisir, c'est un table, un tableau. Je vais choisir de prendre toute la largeur, taille 12, et je sauvegarde, je fais rien d'autre. Je laisse tout par défaut, je mets juste taille 12. Qu'est-ce que m'a fait Elasticsearch, Kibana? Il m'affiche la liste des premiers résultats qui correspondent à mes critères. Il les affiche sous forme JSON brut par défaut. Et à gauche, il vous donne la liste des champs dont il a connaissance. Donc en gros, il a interrogé Elasticsearch pour lui demander son mapping. Ce qui est sympa, c'est que si vous continuez à injecter de la donnée, et puis tout d'un coup votre marketing vous dit « Ouais, j'ai une idée géniale, il me faut les comptes sociaux, Twitter et Facebook de mes utilisateurs », dans les nouveaux JSON, il va y avoir le fameux merge mapping dont on a parlé tout à l'heure, qui va se passer. Et là, pof, vous allez avoir vos nouveaux champs qui apparaissent. Automatiquement. Enfin, automatiquement, oui. Petit refresh. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux sélectionner les noms des champs que je veux apparaître. Donc, je vais afficher name, je vais afficher le sexe de la personne, sa date de naissance, son nombre d'enfants, sa ville, son pays. Si je veux, je peux cliquer sur les champs. Par exemple, si je clique sur city, j'ai une vue directe de la répartition par ville de l'ensemble de mes Joe et mes John, ici répartis par ville. Okay. Donc voilà, j'ai affiché mes données. Donc j'ai dit que j'avais tout à l'heure un problème avec les femmes. Alors j'ai pas de problème avec les femmes. C'est une blague que je fais tout le temps. Alors, ceux qui suivent mes conférences, dire qu'il est chiant avec sa blague. Je la fais tout le temps. Donc ce que je vais faire, en fait, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, pour ça, j'ai besoin de filtrer mes résultats. Pour filtrer mes résultats, je vais cliquer sur le camembert ici, sur la partie female. Et ça va me rajouter un filtre en haut à gauche
dans la partie filtering. Donc je clique, paf, ça m'a refiltré mes résultats, donc je ne vois plus que les Joe et John qui sont des femmes, ça m'a recalculé mes histogrammes de date pour mes Joe et mes John qui sont des femmes, et dessous je vois mon résultat. Bah, Joe ou John, c'est le nom de famille de la personne. Il n'était pas si bourré que ça, mon injecteur. Ok ? Ça marche bien. Donc tout va bien. Ce qu'on peut faire, c'est on peut sauvegarder son dashboard dans Elasticsearch ou éventuellement sur un file system comme on veut. Donc on peut le réouvrir. Donc moi j'avais préparé un dashboard que vous n'avez pas évidemment dans votre cluster, mais il est réimportable avec un script d'injection qui est dans le répertoire Kibana-example, un truc comme ça. Bon, le script est un petit peu compliqué à passer, mais si vous l'essayez, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez rebâtir le même dashboard que je vais vous montrer. Donc en fait, je vais cliquer dessus, je vais le réouvrir. Donc c'est un dashboard pré-généré, mais pour autant, les données qui arrivent sont live, hein, imaginez ça. Donc, je suis intéressé par les personnes qui ont cliqué plus de 1000 fois sur Cars dans mon application iPhone, les sons d'intérieur. Plus de 1000 fois sur la bouffe. Une valeur supérieure. Ma répartition Cars et Food, c'est celle-là. Okay. Répartition homme-femme, par année de naissance. Ici, j'ai fait des. Alors, la mise en page n'est pas terrible parce que j'ai un peu zoomé, mais normalement, ça devrait être sur la même ligne. J'ai la répartition par pays. Donc je vois, donc je me sers du Codiso, du pays. Donc en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, par ville. Comme j'ai les coordonnées géographiques, latitude, longitude, je peux représenter ça sur une map aussi. Faire du géoclustering ici. Le nombre moyen d'enfants, total, et puis pour les voitures et pour la bouffe. Pour voitures et pour la bouffe. Et le dataset derrière. Alors imaginons que je suis intéressé par les femmes, je clique, je rajoute un filtre. Ils sont plutôt nés dans les années 70, donc je vais zoomer sur cette partie-là. Donc hop, il me recalcule, il me rajoute un filtre là-dessus, il recalcule toutes les autres facettes. Ils sont plutôt nés, on va dire, allez, en France. J'aurais dû mettre dans mes exemples Rennes, mais j'ai pas Rennes. Allez, on va mettre plus proche, on va mettre Nantes. Donc là, mon Wi-Fi est un peu crappy. Hein. Il n'a pas réussi à charger la map, c'est pas grave. Je vais cliquer sur Nantes. Donc hop, je m'approche de Nantes maintenant. Vous voyez les points localisés à Nantes. Donc si j'avais la map, vous verriez la map de Nantes derrière, donc qu'importe. Voici le nombre moyen d'enfants qui correspondent à ces personnes-là. Et puis voici la liste des femmes qui correspondent à mes critères. Donc j'ai refait mythique. Ils sont intéressés par les voitures et la bouffe. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire avec Elasticsearch sur vos données. Quelles que soient vos données. Là, j'ai pris des données marketing. Vous prenez des logs de prod, c'est pareil. Vous prenez du flux Twitter, c'est pareil. Vous donnez du sens à vos données avec Kibana. Ce qui est bien, c'est que si vous réinjectez de la donnée, si vous réinjectez de la donnée, ben, vous pouvez mettre ici un rafraîchissement automatique, auto-refresh toutes les 5 secondes, par exemple. Ben, automatiquement, vous allez voir votre dashboard évoluer en fonction de vos données qui arrivent. Je reprécise, parce que quelqu'un m'a posé la question, c'est sous licence Apache 2, donc c'est gratuit, vous l'utilisez comme vous voulez. Ce n'est pas un produit commercial. La prochaine version de Kibana donc, tirera parti des agrégations qu'on a vues tout à l'heure. Si on veut inclure juste certains des graphes de Kibana dans une page et des images pour juste récupérer l'image ou Non, aujourd'hui tu n'as pas cette possibilité. Kibana tourne dans le browser, hein, c'est fait en AngularJS, ça tourne dans le browser. Donc si tu fais de l'AngularJS, éventuellement tu peux repomper le code de Kibana et puis essayer d'inclure ces petits patterns. Je pense qu'avec Kibana 4, ça va pas mal évoluer, ça. Je pense que ça sera un peu plus pluginifiable. Kibana 4 va utiliser D3.js aussi. Ça va faire des visualisations plus sympas. On verra ce que donne, ce que ça apporte à la ville. Bon, bah, du coup, j'ai le temps de vous montrer Snapshot et Restore. À moins que quelqu'un ait des questions sur cette partie-là, mais sinon, on Snapshot et Restore, et puis après, on se laisse 5-6 minutes ou 10 minutes pour les questions. Ça va ? Une des problématiques que vous avez, c'est si vous voulez sauvegarder vos index avec, de toute façon, dans Elasticsearch. Vous avez vu qu'Elasticsearch est distribué, et que vos shards sont alloués sur certaines machines et pas sur d'autres. Jusqu'à présent, avant la version 1.0 d'Elasticsearch, pour faire du backup d'Elasticsearch, il
fallait faire du R5 de chacun des nœuds. Je vous ai dit qu'avec Lucene, tous les fichiers sont immutables. Donc c'est facile, dans du R5, on a la copie. Sauf qu'on recopiait trop de choses, on recopiait aussi les réplicas, aussi bien les primaires que les réplicas. Enfin, c'était pas centralisé. C'était pas sûr d'avoir une cohérence, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté les API Snapshot et Restore. Les API Snapshot vont permettre de faire du backup, et évidemment de le restaurer après. Par exemple, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle un repository. C'est l'endroit dans lequel on va stocker notre backup. Par défaut, embarqué dans Elasticsearch, on a un repository qui s'appelle File System. C'est un espace qui doit être visible pour chacun des nœuds de votre cluster. Donc c'est un shared file system. Et vous devez passer le settings qui est à quel endroit tu veux stocker ton backup. Donc là, je l'ai mis moi dans slash tmp backup. Une fois que vous avez fait ça, ben, vous pouvez exécuter un snapshot. Donc j'exécute un snapshot, je lui donne cette commande-là, snap 1. Je lui passe un paramètre là qui dit je veux que tu me rendes la main quand tu l'auras fini. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Dans la prochaine version d'Elasticsearch, je crois que c'est la 1.2 il me semble, vous aurez notamment la possibilité d'avoir des statuts de vos backups. L'état, où est-ce qu'il en est, le pourcentage de compression, j'en ai. Vous pouvez aussi afficher « Donne-moi tous les backups qui existent », ce genre de choses. Lorsque vous avez snapshoté, ben vous pouvez faire un restore. Donc imaginez que vous ayez besoin de restaurer ça à l'autre bout de la planète dans un autre data center. Ben vous copiez ce qu'il y a dans TMP ES Backup par le moyen que vous voulez sur l'autre data center dans un autre répertoire, par exemple. Et puis vous recréez votre repository. Bon, moi tout à l'heure, quand je vais faire la démo, j'aurais pas besoin de recréer le repository parce que je vais être sur la même machine physique, donc c'est pas un problème. Puis restaurer, c'est quoi? Bah, j'utilise l'API snapshot, je donne le nom du repository, je donne le nom du snapshot, je fais l'API restore, j'attends que tu finisses. Et je peux préciser quels sont les index que je veux restaurer. Si j'ai plein d'index, par exemple vous avez les index Marvel et tout ça, peut-être que... Alors ils vont être backupés par défaut parce que j'ai pas précisé au moment du backup. Vous pourriez préciser aussi indices au moment du backup. Mais là par exemple dans la restauration, je veux restaurer qu'un index personne. Je peux faire autre chose aussi. Quand je restaure, je peux changer le nom de mon index, par exemple. Donc je veux que tu restaures l'index personne. Et puis si tu vois un index qui s'appelle personne, alors il pourrait y avoir une expression régulière, un truc comme ça. Hein. Je veux que tu renommes cet index personne en new personne. Quand il va être restauré en tant que new person. Ça se passe comme ça. Donc là, j'ai parlé de backup sur file system. Si vous prenez des plugins Amazon, qu'on a chez Elasticsearch, Azure, bientôt Google Compute Engine, vous pouvez sauvegarder vers du S3 Amazon, vers du Azure Storage, et bientôt vers Compute Engine. Comment ça s'appelle le Storage. C'est pas encore développé, c'est parti. Avec le plugin Hadoop, vous pouvez backuper sur HDFS aussi et restaurer depuis HDFS. On n'est pas là. Donc en fait, si vous regardez dans le workshop 5, dans le fichier, il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, je vais l'exécuter ici. Chez moi, j'ai peut-être déjà quelque chose qui existe, donc je vais commencer par effacer mon répertoire TMP, pour être sûr. J'ai déjà quelque chose, donc je l'efface. Donc je crée mon repository. Donc il est dans tmp/esbackup. Évidemment, il faut que votre utilisateur qui fait tourner Elasticsearch ait accès à ce file system. On est lecture-écriture, sinon ça ne marche pas. J'ai du R5. Derrière, il fait du R5. Donc on peut lui mettre une adresse R5 vers un serveur tiers qui n'est pas... Ah non, pardon. Ici, non, je crois pas. Non, c'est que un file system partagé. Il faut qu'il soit monté. Il faut qu'il soit monté, oui. Regardez la doc dans le détail, je ne peux pas par cœur. J'exécute mon backup. Si j'exécute mon backup, donc il met un petit peu de temps. Voilà. Donc il a sauvegardé mes,
Alors moi j'ai un index qui s'appelle Kibana-1, dans lequel j'avais sauvegardé tout à l'heure mon dashboard de Kibana. Donc il m'a sauvegardé Kibana-1 des personnes en, je sais pas, 9 secondes. Bon, c'est en local sur ma machine, c'est des disques SSD. Si je fais un get, bah, je vois qu'effectivement j'ai bien un snapshot 1 qui existe. Alors si je réexécute le même snapshot, en fait il va faire de l'incrémental dessus. D'accord ? Donc bah, il ne va pas tout sauvegarder à chaque fois, c'est vraiment de l'incrémental. Comme je l'ai dit, les segments sont immutables, et après il y a des merges de segments, donc il y a les segments qui vont être effacés, les nouveaux segments rajoutés. Et en faisant cette commande-là, il va tout simplement refaire un R5 derrière, hein, pour dire, bah, voilà, si tu recopies les nouvelles valeurs et je t'efface les anciens segments. Ok. J'efface mon index personne. Donc du coup, si je fais une recherche, ben, ça marche plus. Parce que j'ai plus mes documents personne. Donc mon Kibana de reste main. Je vais restaurer. Donc là j'ai deux nœuds, donc il doit réallouer correctement l'index sur les deux nœuds, mais si j'ai quatre nœuds, il va voilà, répartir tout ça, il va restaurer les shards comme il faut. Donc là il l'a bien restauré, alors il m'a restauré que mon index personne, parce que c'est ce que je lui avais demandé. Donc il m'a restauré 5 shards, tout s'est bien passé. Si je réexécute ma recherche, j'ai à nouveau mon million de documents et mon Kibana qui va dire waouh, super, ça marche. Donc typiquement, si vous voulez faire un jour un disaster recovery avec Elasticsearch dans un autre data center, utilisez ça. Ou si vous voulez backuper vos index. En fait, j'ai fini. Si vous avez besoin de support, ça c'est la partie commerciale que je suis obligé de faire. Voilà, contactez-nous et est-ce qu'il y a des questions ? On a 5 minutes pour les questions. Tout à l'heure, j'avais deux nœuds, j'en ai tué un pendant l'injection et j'ai pas eu tous mes enregistrements. Ouais, c'est parce que mon code est pourri. Mon code de mon injecteur est pourri. Ça devrait pas arriver, ça. Il devrait en tenir compte correctement. Mais j'ai dû faire une saloperie dans le code et je m'en suis rendu compte l'autre jour, j'ai fait aussi la démo, j'ai tué en même temps, je lui ai dit tiens, je vais voir ce qui se passe et effectivement ça s'est pas bien passé. J'ai pas vu. C'est pas normal. Hein. Mais c'est pas normal d'un point de vue client. Comment se passe la réélection du master ? Alors effectivement, quand tu as un premier nœud qui se connecte, il est master par défaut. Si tu as un deuxième nœud qui se connecte, il va devenir esclave, et ainsi de suite. Quand tu as le master qui disparaît, il y a une réélection automatique du master. Alors c'est par un algorithme qui est très très puissant. En fait, on prend la liste des nodes ID qu'on a et on prend par ordre alphabétique, on prend le premier. Et chacun des nœuds sait que c'est celui-là qu'il doit prendre. Donc ça, c'est automatique, il n'y a rien à faire. Il y a une question sous-jacente à ça. À ce que tu viens de dire, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai deux mètres à un instant. En fait, vous pouvez avoir un problème dans Elasticsearch, qui est le cas avec beaucoup de systèmes distribués. Imaginons que vous ayez deux nœuds, on va dire même trois nœuds. Ceux qui sont un peu plus longs, vous avez trois nœuds, vous avez nœud 1, nœud 2, nœud 3. Celui-là est maître aujourd'hui dans votre cluster. Si vous avez une coupure réseau ici, lui il va dire moi je suis maître. Puis lui il va dire juste bah, moi je suis toujours maître, mais par contre j'ai vu qu'il y a un nœud qui a disparu. Quand la coupure réseau va s'enlever, ben, vous avez un problème parce que lui il a pris des décisions et lui il a pris d'autres décisions. Pas les mêmes. Et alors là, vous êtes coincé. Vous êtes vraiment foutu. Enfin, foutu, éventuellement. Donc, du coup, ce que vous devez faire, il y a un paramètre qui existe dans Elasticsearch qui s'appelle le minimum master node. Vous configurez cette paramètre, et ce paramètre, c'est le nombre de nœuds au total que vous avez divisé par 2 plus 1. Donc, en fait, le minimum master node, je vais le setter sur chacun des nœuds, je vais dire que c'est 2, c'est 2, c'est 2. Qu'est-ce qui va se passer quand il va y avoir une coupure ? Lui, il va dire, ben moi, je vois toujours deux nœuds, je suis toujours maître, tout se passe bien, voilà. Et lui, il va dire, moi, je vois qu'un nœud, donc c'est pas un fonctionnement normal, donc je ne fais plus rien, je m'arrête. Enfin, c'est pas je m'arrête, c'est j'arrête de faire des opérations d'indexation, de recherche, je suis plus capable de rien faire. Quand le réseau va revenir, il va dire, ok, c'est bon, tout s'est bien passé. Donc lui, il sera jamais devenu maître.
C'est pour ça que quand vous démarrez en prod avec Elasticsearch, on vous conseille un minimum de 3 nœuds en prod. Si vous voulez vraiment être sûr, secure et tout, le minimum pour la prod, c'est 3 nœuds. Après, vous prenez des risques. Moi, personnellement, quand je bossais pour la douane, quand j'ai mis le premier cluster Elasticsearch en place, j'ai mis 2 nœuds. Et j'ai eu mon fameux split brain, et voilà, ce que j'ai fait, j'ai effacé les données de là-dedans, et puis je l'ai fait resynchroniser, et puis remettre tout à jour. Je savais que celui-là était à jour, et celui-là n'était pas. Autre question ? Dans la tablette query, vous avez dit qu'on a un affichage qui se fait par le de pertinence des croissants. Oui. Ça fonctionne comment ? Parce que si on est dans le cas où on a des choses qui sont à niveau de pertinence équivalente, ouais. Qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ordonne, et quelle est la relation. Ouais, après je pense que c'est la façon dont ils les récupèrent dans les charges. Il n'y a pas vraiment. Comme ils ont tous le même score de pertinence, il n'y a pas de. Il n'y a pas de priorité pour l'un ou pour l'autre. On peut trier sur le score de pertinence, c'est le truc qui est fait par défaut, mais on peut aussi trier sur d'autres clés. Je peux dire je trie par score de pertinence d'abord, et s'ils sont égaux, ben, je veux trier sur l'âge de la personne. Donc ça se rajoute dans l'API, on fait cet appel-là. Ou à l'inverse. Je trie d'abord par âge de personne et puis ensuite par score de pertinence. Ou je trie que par âge de personne. Donc on choisit ces critères-là. Le score, on peut influer dessus. On a une fonction, une API qui s'appelle function score en fait, qui permet de calculer son propre score en fonction du contenu des documents JSON. Plus se fier à ce que fait Lucene. Lucene en fait, il fait du calcul d'angle. J'ai pas tout compris la théorie de Lucene, mais c'est des mathématiques. En fait, c'est en fonction de l'angle des calculs qu'on sait que le document est plus ou moins pertinent. Si ouais. On calcule post-it. Il faut avoir fait l'UCM. Globalement, en fait, pour revenir au calcul de pertinence, la pertinence va être liée en fonction du nombre d'occurrences qu'on va trouver dans le document, du mot qu'on cherche. Mais ça va être pondéré par le nombre total aussi de ce terme-là qu'on trouve dans l'ensemble du dataset. Parce que évidemment, si c'est un terme qui est très 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 fréquent, il y a beaucoup moins de valeur. Voilà, l'idée de ces angles-là, c'est ce calcul. Une question ? Ouais. Est-ce qu'avec Lucene, enfin avec Elasticsearch, on peut indexer un ensemble de documents Word ou PDF ? Ouais, alors. Ce que tu dois faire dans Elasticsearch, c'est à toi de présenter du document JSON à Elasticsearch. Donc, il y a quelque chose que tu peux faire, c'est extraire avec Apache Kika, par exemple, le contenu de ton document, sous forme textuelle, et les métadonnées de ton document, et fabriquer un JSON. On a un plugin dans Elasticsearch qui s'appelle le Mapper Attachment, en fait, qui permet d'encoder ton document OpenOffice en forme BAS64, de le mettre dans ton JSON, ce BAS64, de l'envoyer à Elasticsearch. Ce que va faire Elasticsearch, c'est qu'il va extraire le BAS64, le décoder, passer par Apache Kika et indexer le contenu. Personnellement, c'est une mauvaise pratique. C'est bien pour démarrer parce que tu vas super vite avec, mais tu n'as pas la flexibilité que tu aimerais avoir. C'est-à-dire que le Mapper Attachment t'a dit que ton champ date, il va s'appeler date, tu n'as aucun moyen de changer ça. Moi, je préfère le faire en amont, ce travail-là. C'est pas vraiment le rôle d'Elasticsearch de faire de l'extraction de contenu. Imagine que tu veux faire de l'OCR, par exemple. Tu vas plomber les performances de tes nœuds qui servent à faire l'indexation et de la recherche pour faire autre chose que ce métier-là, qui est l'extraction de contenu. Comme crawler le web, par exemple. C'est pas le métier d'Elasticsearch de crawler le web. Il vaut mieux faire ça avec d'autres process, style Logstash. La bonne pratique, c'est de soumettre à Elasticsearch juste les JSON, quoi, et le reste, on se débrouille. Donc, une des volontés qu'on a, c'est d'écrire ce type de plugin qu'on avait jusqu'à présent, qui s'appelait les Rivers historiquement, qui faisait des sortes d'ETL à l'intérieur d'Elasticsearch et le Mapper Attachment, de les réécrire dans Logstash. De façon à ce que Logstash, qui est un outil de streaming, une sorte d'ETL de streaming vers Elasticsearch, bah dans sa phase transformation, il fasse l'extraction de ce que tu veux. Et c'est un process indépendant d'un Elasticsearch, donc ça s'arrête à tout moment, ça se redémarre à tout moment, c'est ce cas-là. Je pense qu'on a fini. Bah, merci beaucoup de votre présence.